Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode d'Osiris New Dawn. Entrée. Donc il y a un multijoueur, chers amis, mais pour l'instant on ne connaît pas encore suffisamment le jeu, je pense, pour s'y intégrer correctement. Du coup, on va partir en single player. On va prendre le clone 1, hein, vous le savez. Hop, on peut modifier la planète, ça m'a surpris. Bon, j'imagine que ça va être corrigé assez rapidement, que c'était simplement un bug. Quoi qu'il en soit, je passe en QWERTY parce que le jeu ne peut pas encore, n'accepte pas encore le binding des keys, le key binding modifié, custom. Quick unequip toggle, d'accord, reload, action, retourne OMPA. Ça m'intéresse ça. Donc on a à chaque fois la petite, il va nous remettre D1, voilà, ouais. Donc en fait, à chaque fois que je quitte le jeu en ce moment, il me remet D1. Pourquoi pas. Avec tout le repop de monstres que ça inclut. Génial. Ici, on va prendre un maximum de choses. En l'occurrence, ceci. Du magnésium, j'en aurai besoin aussi, effectivement. De l'aluminium, j'en aurai besoin aussi. Et du fer. Pas grave si on est en surpoids, n'inquiétez pas. On va faire du sport. J'en ai besoin de combien? De 3. Voilà. Ok. Alors, structure. Il va me falloir un peu plus d'aluminium. Apparemment, j'en ai pas suffisamment. Est-ce que je l'ai récupéré dans le... J'en avais combien? J'en ai que 12 d'aluminium. D'accord. Bon, on va tout remettre, on va aller en chercher. C'est pas grave. Une inventory, de toute façon ça va être rapide après à re-récupérer, si je puis dire. Ne vous en inquiétez pas. Drop, ça je n'en veux pas pour le moment. L'aluminium, je l'ai vu par là, voilà. Il y en a un paquet. Puis pour peu qu'il les repop, ça va être encore plus rapide. Bon, c'est les aléas du jeu en early access, chers amis. C'est pour ça que j'ai bien précisé l'early access dans le titre des vidéos, chers amis, parce que c'est vraiment un jeu qui va vraiment évoluer, hein, pour le coup. Hein. Il va pas rester tel quel. On a déjà 30. Ça pourrait déjà être suffisant. Hop. Il va y avoir des évolutions dans ce jeu, ne vous en inquiétez pas. Il est véritablement suivi apparemment par les développeurs, en tout cas même par la communauté qui n'hésite pas à indiquer des choses au dev, voilà. Je vais arriver à dire ce que je voulais dire. Add to backpack, backpack, backpack. Ah, j'ai de quoi faire l'habitat. Ok. Faire l'habitat. Compte tenu de tout ça. J'aimerais fermer un petit peu le... Voilà. Hop. Ok. Il manquerait pas des murs là par hasard. Ah, puis il veut même pas s'y déplacer. Hein. Ok, alors faut que j'inspecte avec le multi-tool. Pourquoi pas. Oh, customize, d'accord. Normal wall, coupleur, window. Oh. Oh. Ok. Ok, 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 ok. Pourquoi pas. Ça me plaît. Ça me plaît. Alors ça, par contre, là, ça m'a surpris. Là, je suis surpris. Là, le jeu m'a pris au dépourvu, chers amis. Waouh, génial. Bah, je vais mettre une porte aussi par ici. Donc pour une porte, il va me falloir du fer, de l'aluminium, du rubber et du titanium. Le rubber, je sais pas du tout comment je vais le faire. D'accord, je peux customiser les couleurs si je veux. Hop. Je vois pas trop ce que ça a custom.
Là non plus. Bizarre. Bizarre, bizarre. Ok, cool alors. Je présume. Je présume, je présume. Pourquoi pas. Pour ça, par contre, il va me falloir du fer en plus et du rubber. Alors le rubber, je sais pas du tout comment je suis censé le faire. Et c'est même pas marqué là d'ailleurs. On a vu des rubber trees pas loin, mais ils étaient au-dessus du sol. Donc va vraiment falloir qu'on cherche au niveau des arbres cette fois-ci. On reprend le pistolet, n'inquiétez pas. Hein. Donc cette fois-ci, il va falloir qu'on cherche au niveau des différents types d'arbres. De mémoire, la caverne était là-bas, donc j'irai bien par là. Ah, même les monstres repop, quoi, c'est chiant. Hop, yo! Recule! Recule! Ok, au niveau des niveaux, on en est où? Niveau 2? Ouais, on est encore très très loin du stat point, d'accord. Oh, je peux en mettre movement speed et strength. Ouais, ça me semble pas mal. Blueprint, j'en ai pas. Ok. Donc j'aurais pouvoir me déplacer plus vite. Je pense que le movement speed est une nécessité en règle générale. Puisque vous avez vu à quelle vitesse, à quel point on va se déplacer quoi dans ce jeu. Normalement. Oh! Dégage! 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 Putain, j'ai cru que c'était un gros ver de terre qui venait derrière moi. Wow! Ok, bon, on y va. Alors normalement ceux-là ne sont pas hyper violents, si je puis dire. Les Tumba là, ou c'est ça? Tomba. Alors j'espère que ce sont des... les fameux arbres que je recherche. Tumbo. Voilà. Ok, j'espère que ce sont les fameux arbres que je recherche. Et pas que je me plante tout simplement. Lead, le lead, c'est quoi le... Oh, voilà, sale bête. Oh là, bonjour. Hop. On a l'impression que les sons viennent de derrière moi, c'est dommage. Hop. Alors je les tue plus pour... voilà, encore une tempête de sable. Rubber tree, exact. Je me suis pas planté, cool. Cool, cool, cool. Alors est-ce que c'est une infinité ou... J'ai cru voir du mouvement. Bon là-bas il y en a forcément mais... Ça pèse lourd. Ça pèse rien. Autrement dit, je peux me permettre de le spammer. Parce que plus j'en aurai, mieux ce sera. Hop. Ok. C'est pas ça, c'est bien. Par contre, le craft, du coup, il se fait comment? Parce qu'on l'a pas vu du tout dans les... Hop. Allez. Je veux pas dire, mais... Là, j'ai rien. Ah si, il faudra sans doute là-dedans. Ah d'accord, faut que je finisse l'habitat d'abord. Donc je peux pas faire de porte, finalement, bon, au début. Là, va falloir que je fasse des murs classiques. Et ensuite que je détruise le mur. Pour ensuite y placer une porte. Ok, je commence à comprendre comment faut que je fasse. Faut vraiment que je suive les missions. Les missions sont même pas, en fait, optionnelles. Il faut vraiment suivre le plan donné par les développeurs pour l'instant. Bon, c'est un début de... C'est une early access, c'est un début de jeu. Ça me semble cohérent, j'aurais dû être un peu plus intelligent. Mais bon, c'est pas grave, on va faire ça comme ça. On va essayer en tout cas hein, de suivre, d'essayer de comprendre la façon dont les développeurs ont réfléchi à la manière dont nous devons jouer au début de partie. Parce que c'est littéralement ça, hein, chers amis. Hein, nous allons devoir en fait jouer la partie que les développeurs souhaiteraient qu'on joue, finalement. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le multi-outil à la place de l'appel.
L'appel qui va bientôt me lâcher d'ailleurs. Et donc, vas-y, fais péter. Dis-moi comment je suis censé faire un mur. 3 fer, 3 d'aluminium, 2 copper. Ah bah écoute, ça j'ai tout ça normalement. Ça c'est cool. Alors on va poser tout ça. Dommage que ce soit pas comme dans... comme dans No Man's Skies où le container peut en fait contenir des stacks plus importants. Je trouvais ça bien, bien amené en fait. Bon, j'ai peut-être pas avoir assez d'aluminium. Ah, si c'est bon. Hop, pour tous les murs ça devrait le faire. 4. Hop. D'accord, là c'est avec le clic. Ok. Je vais faire des murs normaux pour l'instant, quitte à ce qu'on les casse ensuite, hein, c'est pas grave. Hop. Allez ! Pourquoi les derniers pourcentages sont tellement plus durs ? Hop. Ah, c'est violent. Hop. C'est bon. Hop. C'est dommage, il n'y a même pas de bruit au niveau de l'animation de la... Je construis un truc, mais il pourrait faire une animation ou n'importe quoi. Par exemple, là, quand je fais de la réparation, il fait... C'est sympa. Mais là, il pourrait faire quelque chose, au moins une animation ou un truc comme ça. C'est un peu facile, là, sinon. Et j'ai pas fait gaffe, mais est-ce qu'il y a un toit au-dessus? Bref, c'est pas grave. S'ils me disent de construire le toit ensuite, ça va pas le faire. Tous les professeurs de... Oh, génial. J'ai amélioré la capacité de mon... Ah bah d'accord, regardez, il a gagné un point, finalement. Ok, pourquoi pas. Cool. Airlock. Airlock. Ah, il n'a pas de porte à l'heure actuelle. D'accord. D'accord, d'accord. Bah écoute, je vais prendre ça. Store in inventory. Store. Store. On va commencer par aller voir d'abord ce dont on a besoin pour l'airlock. 10 de fer. 2 de... D'accord. Bon bah écoute. Je récupère tout ce que je viens de déposer, finalement. Hop. Je crois que j'ai pas encore avoir assez de fer du coup pour le, cette fois-ci. Si. Not enough materials. En aluminium, c'est en aluminium que je suis pas bon. On va aller en chercher. Hop. On retourne chercher un petit peu d'aluminium. Je crois qu'il était plus près, c'est marrant. J'ai peut-être pris celui qui était plus près en fait, finalement. C'est possible aussi. Moi j'aime bien le petit pistolet, hein. Il gaspille pas de munitions. Bon, il est un petit peu. Il est un petit peu chiant à utiliser parce qu'il a une petite cadence de tir. J'espère que ça peut s'améliorer par la suite. Hop. Tout comme j'espère qu'on va... Enfin, là, vous voyez, ça fait à peu près... je dirais combien, ça fait combien de temps qu'on a... On a 2h30 sur la partie, là, je dirais à peu près. Là, je trouve que c'est pas normal qu'on ait pas suffisamment, encore une fois, de quoi nous nourrir. Les trucs de base, en fait, de la survie, sont pas encore amenés, en fait, finalement. Si je pouvais t'aider là-dedans, ce serait cool, merci. Bon, je devrais en avoir récupéré suffisamment. En plus, elle est pas loin du spawn, donc on peut se permettre de... Faire quelques allers-retours si nécessaire. Hop. N'empêche que c'est stylé, hein, je veux pas dire, mais... Ok, donc ça sert à rien de faire ça pour l'instant, Marcus. Le fer. Le magnésium. Voilà, hop. Donc actuellement, tu en as fait 7, il t'en faut 10, donc encore 3. Voilà. Ça c'est bon. Niveau aluminium, il va en falloir encore malheureusement. Le copper, j'ai ce qu'il faut.
Et au niveau du verre, j'ai plus suffisamment de sable, donc ça je peux modifier cette... Hop. Cet état de fait. Il m'en faut 2, donc 4 de sable, c'est ça? Faut vraiment que je sois au bord. Hein. Je croyais qu'il fallait que je fasse un mélange clic droit, clic gauche pour faire l'animation, vous savez, d'un mec qui récupère, mais même pas. Hein. Bon, bah, on va aller récupérer encore une dernière fois de l'aluminium. C'est pas grave. Comme j'ai dit, il y en a pas loin, donc c'est pas gravissime. Par contre, si le monstre vient trop près de nous, ça va pas le faire. Là-bas, c'est du fer. On va y en avoir pas loin, non? Je voulais éviter d'avoir à combattre le monstre. Alors, ils ont bel et bien un œil, on l'avait vu dans le précédent épisode, chers amis, hein, vous vous rappelez? Allez, regardez. Aïe. Aïe. Ah, shoot breach, parce que je suis tombé dans ces putains. Et là, je peux pas changer d'arme. Hop, là, j'ai pu. Ça te fait pas de dégâts, les oursins, toi? Hop. Bon, elle est où ta copine, là? Elle est partie. Parfait. Ta copine est partie. Elle t'a laissé tomber. Elle la laisse pas tomber. Elle est si fragile. Bref. J'en ai plus de 20. 44, c'est bon. On y va. J'ai mon 44 magnum d'aluminium. Enfin non, j'ai même pas. J'ai mon 44 aluminium. C'est la nouvelle marque. Hashtag Rinem Magnum. Enfin non, même pas Magnum. Est-ce que c'est une marque ou est-ce que c'est... Enfin, c'est un modèle, un nom de modèle. Donc techniquement... Ok. Et qu'est-ce que j'ai pas? Qu'est-ce que j'ai pas? Qu'est-ce que j'ai pas déjà? Je m'en rappelle plus. Il faut que je récupère tout déjà, ouais. Ok. Ah oui, le copper que j'ai laissé dans le... Hop. Voilà. Maintenant, on peut build l'airlock. D'où l'intérêt de faire ça assez près de... Vous voyez? Oh, en plus ça se place tout seul. Si c'est pas la fête. Par contre, si vous me dites qu'il faut que je refasse les panneaux aussi, faut peut-être pas exagérer non plus, quoi. Ah, voilà, merci. Build chemistry table in habitat. Ça, j'ai de quoi faire normalement. C'est ici. 5 styles. Ah! J'en ai 4. J'ai pas brassé de verre pour l'instant. J'ai plus d'iron. Ah putain, j'ai vraiment pas de bol. Ah, ah là là. Il va me falloir plus de fer. Et il va me falloir aussi plus de sable. Le problème, c'est que je ne sais pas combien de sable je vais pouvoir récupérer avec ça. D'accord, c'est par là que je vais. C'est par là que je vais. Hop. On regarde pas où on va. On récupère du sable à foison. Peut-être qu'on va trouver quelque chose d'autre, hein, c'est dans le sable. Qui sait? Hop, combien qu'on est de sable là? 4 et 4, 8 et 4, pratiquement 12. Il nous en faudra une vingtaine, hein. Je précise. Il n'y a pas encore de fer. Hop. Crac. Alors, le fer. On y est. Et le fer à 10 sous, c'est pas cher. Mais c'est vrai que je trouve que les... Alors on va commencer un petit peu à critiquer un petit peu le jeu, à donner en tout cas des avis. Je trouve que les ressources sont... Bah c'est pas plus mal qu'elles soient disposées à plusieurs endroits. Mais je trouve pas ça intelligent. Je pense qu'elles devraient être disponibles plus facilement, pas plus facilement, mais justement plus de manière plus... Par exemple là vous voyez j'en trouve, là je trouve peut-être 5 de ressources par 5 de ressources. Je préférerais qu'il y ait plus, par exemple qu'on trouve des cailloux d'aluminium là-dedans. Des surfaces, ou des surfaces comme ça. Bon c'est bon, j'ai récupéré suffisamment de fer. On va rentrer tout petit à petit, cela dit, c'est peut-être dommage. Mais je pense qu'il y aurait plus d'intérêt à mettre plus de minerais différents. Enfin plus de minerais par exemple. Ça ce soit un caillou à copper,
ou à Iron, imaginons, et que par exemple une grande partie d'une surface, par exemple une face est ou une face sud, soit bien recouverte et qu'on puisse en récupérer une partie, qu'on doive chercher un petit peu dans des zones normales, et que là par exemple il n'y en ait que très très peu dans ces zones-là, vous voyez? Qui est une espèce de logique quelque part, comme quoi si tu vas sur une grande surface rocailleuse qui a la force d'extraire de sortir du sol, forcément il doit y avoir des choses. Si tu vas sur une surface terrestre, pour qu'il y ait du bol, enfin je veux dire c'est comme dans, par exemple comme dans Starbound, on trouvera plus de choses dans la roche que sur la terre. C'est ce que je veux dire. C'est pas là que je veux aller. Hop. Hop, bon, enfin bon. C'est des choses qui vont changer, encore une fois, j'ai déjà dit, le jeu est voué à évoluer. Hop. J'en ai fait combien? 4, il m'en faut 5, donc une de plus. Hop. Ici. Voilà, 99 materials. Hop, hop. Je peux donc fabriquer ceci. What? Mais je vais quand même pas mettre la forge dans la structure. What the... Oh. Génial. Mais... Ah si, je peux peut-être faire ça, non? Ah d'accord, ok. Cool. Cool, cool, cool. Bah écoute, oui, je veux bien la mettre là, écoute, y'a pas de soucis. Hop les... Chemistry table. C'est bon. Fabricateur inhabitat, d'accord, ok. Donc déjà on va aller voir ça. Ouh, du rubber, du plastique, d'accord. Ok. Ok, pourquoi pas. Fabricateur, il me faut de l'aluminium, du fer, toujours de la... Ah d'accord, du plastique. Et j'ai pas de carbone, j'ai pas d'hydrogène hein, mon pote hein. Ce qui veut dire qu'il va falloir que je récupère tout ça. Mais alors comment je suis censé récupérer ça? Attendez, c'est quoi la mission? Fabricateur, donc c'est pourtant je devrais pouvoir être en mesure de récupérer. Avec le multi-outil peut-être? Je sais pas. Barrel. Ah, faut que je construise ça, d'accord, ok. Ok, je capte. Je capte. Je sais même pas quelle quantité ça va prendre. Je vais en prendre 2, c'est pas grave. Hop. J'ai même tous les récupérer. Équipe. D'accord, ok. Je peux les équiper dans mon dos. D'accord, ça c'est des passifs. 1, 2, 3, 4, ça doit être des choses normales. 5, 6, 7, 8, ça doit être des espèces de passifs, je pense. Je ne sais pas, je pense, ce n'est que mon avis, chers amis, hein. Attention. Ne vous excitez pas dans les commentaires, je n'ai pas encore trop compris comment tout cela fonctionnait encore. Non, je voudrais pas la bouffer, justement, j'aimerais plutôt pouvoir être en mesure de la cuisiner. Et apparemment, c'est compliqué. Où est-ce qu'on en avait vu? Où est-ce qu'on en avait vu? C'était pas par là. Il semble que si. Il me semble que si. On n'a pas sauvegardé depuis longtemps. D'ailleurs, je sais même pas depuis combien de temps l'épisode tourne. Ça, c'est pas bon. J'ai pas pensé à regarder. Hop. Sauvegarde. Un instant, je vais voir. Heureux, chers amis. Donc, on a encore une dizaine de minutes. Donc, ça devrait être bon de pouvoir faire l'aller-retour. Quoique, parce que s'il se met à faire nuit d'un coup, c'est pas la peine. Moi j'aime pas quand il se met à faire nuit. Même si je trouve ça un peu stupide que le jeu... Hop. Tu l'as senti passer celui-là hein. Hein, tu l'as senti passer celui-là mon cochon. Hop, voilà. Il me semble qu'exactement dans cette direction il y a du gaz. Je ne suis pas tout à fait sûr hein. Donc normalement c'est là qu'il y a l'os. Voilà. Donc pas trop s'approcher d'ici. Mais il me semble que dans cette direction précise, il y a du gaz. Alors je sais pas si je peux équiper. Ouais je peux. Ouais il est équipé en 5 et en 6. Non voilà. Ok. Ok ok. Bon pourquoi pas.
Ok, bon. Espérons que je ne me trompe pas. C'est de l'herbe, d'accord. Je crois que c'était les antennes, vous savez, des petits machins qui rampent. Non, je pense pas me tromper. Ça me rappelle vaguement quelque chose. Du plutonium ici. J'ai l'impression d'entendre d'autres pas qui ne sont pas les miens. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Non, je crois pas. Ah. Non, c'est bon, voilà. Semblait bien en avoir vu quelque part. Tout ce que j'espère, c'est que c'est pas dans le... Putain, il y en a un deuxième. Oh merde. Alors attention, parce que vous m'avez dit qu'il peut sortir de n'importe où, même de derrière un truc. Hein. Sinon, il nous bouffera tous. Ils sont loin, c'est pas ceux-là que j'avais vu. Qu'est-ce que c'est que ça là-bas? C'est pas ceux-là que j'avais vu, chers amis. C'est pas ceux-là, donc je suis pas parti dans la bonne direction. J'en avais vu d'autres qui étaient beaucoup plus proches dans un petit cratère. Là, ça me parle quand je dis ça. Ah, j'ai le palpitant qui déconne. Mais alors, où est-ce que c'était? Ok, bon c'est pas grave, on va chercher. Par contre, au niveau oxygène, je vais me calmer un petit peu parce que le sprint, apparemment, c'est pas son fort, lui. Hein. Ouh là là. Donc du coup, tout ce que je fais rapporte de l'XP, non même pas. C'est vraiment que le kill de monstre, finalement. Et bah, on n'est pas rendu, hein. Ok. Il est long à reprendre son souffle, c'est terrible. C'est terrible. Ou alors c'est derrière à l'opposé. C'est possible. C'est possible, je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. Ça pue. Ah mais... Le pauvre. Le mec il est parti faire de la survie alors qu'il est cardiaque. Tiens donc, je vais aller sur... dans l'espace. Enfin, je présume qu'il est cardiaque non pas parce qu'il a une petite durée de sprint. Ce qui n'est pas le cas, hein. Après tout il peut sprinter longtemps. Hein. Mais pour le temps qu'il met à retrouver son souffle. Ça c'est une catastrophe. Merde. Ah oui non, c'est la lumière qui rend mon vaisseau jaune. C'est lui? Ah oui, il est venu me voir en fait. Par contre, si tu veux bien me défendre, mon ami. Et quand tu veux. C'était à ma maison ou c'était moi? Hop, ça va? T'as pas l'air d'être la forme. Attends, je vais te... J'arrive. Je viens te filer un coup de main, mon ami. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je peux pas te réparer, je suis désolé, j'ai essayé. Hein. J'ai longtemps essayé de te réparer, mais je ne peux pas. La nuit tombe, je me planque. Je me planque. Eh bien écoutez, chers amis, du coup, on va cesser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom. Donc vous pouvez trouver le lien dans la mer de la chaîne. Quant à moi, je vais réfléchir à où est-ce que j'avais vu tout cet hydrogène. Encore une fois, pardon, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures, salut les gens, et yop !